un artiste de renommée mondiale est pris de doute à propos de son œuvre. Celle-ci ne l'a-t-elle pas irrémédiablement coupée de ses semblables, coupée de la vie même? Ce doute maladif engendre chez lui une réaction somatique. Pour se soigner en quelque sorte, et se soigner de son œuvre, il se rend en cure dans une île volcanique méditerranéenne. Là, il rencontre la critique Andrea da Capo, accompagnée de sa fille, une enfant de 13 ans, étrangère aux choses de l'art, mais qui entretient avec la nature des relations privilégiées. Elle va aider l'écrivain à reprendre contact avec la réalité qu'il croit avoir perdue.